Avant de nombreuses réformes qui ont eu lieu, on avait une obligation de former nos collaborateurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de développement de compétences. Nous devons faire en sorte que nos collaborateurs disposent de la bonne compétence au bon moment. La formation n'est hein, plus seulement... Euh... La vision qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années avec des apprenants qui étaient dans une salle, avec un formateur qui dispensait une formation. Là, on va avoir de l'auto-formation, on va avoir l'apprentissage par la vidéo, on va avoir l'apprentissage par la mise en pratique. Cette crise, on l'a pris, on l'a vécu vraiment comme une opportunité. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est qu'en interne, nous avons déployé au maximum des formations au format classe virtuelle. Et j'ai même des collaborateurs qui sont dans ma propre équipe qui m'ont dit on a même oublié en fait que nous n'étions pas réunis physiquement et la formation s'est très très bien déroulée par ce biais-là.